A pinhole camera captures an image upside down. Donc voilà, pour la directional light, on a fait cette petite intro, on viendra voir après toutes les possibilités ensuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ma directional light. Bah là, ce qui se passe, c'est que j'ai plus du tout d'éléments qui me permettent d'afficher ma scène, même si une skylight pourrait, mais là, elle n'est pas configurée pour, on va dire. Mais une skylight est une lumière, on viendra voir ça plus tard. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le petit plus, on va aller dans la catégorie lights, donc, et on va prendre non pas une directional light, mais une point light. Ma point light, je vais juste hop, la remonter de façon à ce qu'elle puisse m'éclairer. Ou alors, encore une fois, hein, on va plutôt faire ça. Bouton gauche appuyé, et là, hop, je vais déposer ma point light. L'intérêt de faire bouton gauche appuyé et de venir la déposer, c'est que, vous voyez, hein, quand j'ai été chercher point light, bon là, il me l'a fait parce que c'était la dernière position, mais tout à l'heure, il me l'a fait comme ceci. Il me l'a posé à cet endroit-là tout à l'heure. Tandis que l'intérêt, c'est que si je fais bouton gauche appuyé, bah là, en fait, directement, en fait, il vient me poser ma point light par rapport à des objets que j'ai mis. Par exemple, si je veux la poser sur le tube, bah, vous voyez, c'est extrêmement rapide comme ceci. Bref, donc là, j'ai ma point light. Bah, ma point light, en fait, c'est l'inverse de ma directional light. C'est-à-dire que la directional light, je vous ai dit que la position, on s'en fout, mais par contre, c'est la rotation qui permet de changer l'aspect de votre lumière. Donc du soleil, puisque le directional light c'est soleil, et ben la point light, elle, c'est différent. Si je fais une rotation, on voit que j'ai des choses qui bougent, là j'ai des traits bleus qui bougent, on viendra voir à quoi correspondent ces traits bleus, mais j'ai aucun changement sur ma lumière et sur l'ombre. Il n'y a rien qui se passe du tout. En revanche, elle, ce qui se passe, c'est que finalement ça va être la position qui va être importante. Donc directional light, position, elle s'en fout, rotation, ça change. La point light, position, ça change, mais rotation, il s'en fout. En fait, une point light, c'est quoi? Bah, c'est une lumière qui va apparaître de manière sphérique. C'est des lumières qu'on va plutôt utiliser, on pourrait utiliser autrement, hein, on peut toujours tout utiliser autrement par rapport à ce qui est à la base utilisé. Hein. Faut vraiment, voilà, garder bien ça en tête. Mais on va dire que c'est plus des lumières qui vont servir comme lumière d'appoint. Ou alors, ça peut servir pour des lampes, etc. Mais c'est surtout des petites lumières d'appoint pour créer des ambiances, etc. Voilà, tout ça, on viendra l'utiliser par la suite. Donc voilà pour la point light. Hein. Position, ok. Rotation, elle s'en fout complètement. Finalement, c'est comme si vous prenez une sphère, vous faites une rotation de votre sphère. Ça n'a pas changé grand-chose visuellement. Surtout si votre sphère est blanche, bah, vous ne verrez pas beaucoup de changements. Bah, la point light, c'est exactement pareil.